Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le rebelle capitaliste. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque je souhaitais vous faire une lecture d'un édito euh, d'un groupe d'investisseurs que je suis activement, euh, que je pourrais vous donner leur contact si vous le souhaitez, euh, si ça vous intéresse, et si cet édito euh, vous semble utile, euh, puisque justement cet édito me semblait moi excellent. Et donc je voulais vous en faire, vous en faire profiter. Euh, pour une raison simple, c'est que euh, cet édito met en exergue euh, les biais psychologiques qui sont euh, assez forts sur les marchés. Euh, nous restons des êtres humains, nous restons des animaux, euh, nous restons euh, euh, mobilisés par euh, tout un tas de déterminismes très importants et enfouis euh, enfoui dans notre, dit dans notre, notre euh, cortex. Et euh, évidemment, même si euh, l'essentiel de l'économie euh, est physique, et donc euh, répond à des lois physiques, à dont il me semble la meilleure c'est euh, la loi quantitative de la monnaie d'Irvin Fischer Mv égale PQ, qui permet d'expliquer énormément de choses euh, en économie, eh bien il faut quand même tempérer euh, cette économie physique, je dirais, par euh, la psychologie, la sociologie, etc., euh, qui amène euh, l'irrationalité sur les marchés. Et cette irrationalité, il est difficile de ne pas en tenir compte, puisque vous allez le voir, on peut avoir des décennies perdues. Et donc, euh, euh, je vous déconseille finalement de ne pas en tenir compte, parce que si vous ne tenez pas compte des biais psychologiques, vous pouvez euh, avoir des, des rendements extrêmement euh, médiocres euh, pendant près de 10 ans. Voilà, même si, rationnellement, euh, vous avez raison. Donc, euh, cette euh, psychologie me semble être une, euh, comment dire, une part euh, intégrante euh, de euh, l'économie, et c'est un petit peu ce que pensait aussi Maurice Allais bien avant moi, c'est un précurseur, euh, puisque Maurice Allais euh, tentait de euh, non seulement trouver des règles d'or, hein, la règle d'or de Febbs, qui a été euh, comment dire, formalisée euh, dans un premier temps, découverte par Maurice Allais, et donc qui, qui tenait fortement à cette économie physique mais qui voulait faire le pont entre l'économie la sociologie et la psychologie et euh, c'est un peu euh, ce que cet édito peut euh, permet d'illustrer et c'est ce pourquoi je voulais vous le lire euh, c'est un édito assez court hein, donc euh, voilà et qui se nomme donc la fin de la planche à billets et psychologie des bulles financières la fête est finie cette fois c'est différent. John Templeton, célèbre investisseur et philanthrope anglo saxon, disait que ces quatre mots étaient les plus dangereux dans le monde de l'investissement. Une nouvelle fois l'histoire lui a donné raison. Les banques centrales ont sifflé à la fin de la partie. Pour faire face à l'inflation galopante, elles sont en train de donner un sérieux tour de vis à leur politique monétaire. Ce resserrement des conditions financières n'a pas tardé à faire tanguer les marchés. Les actifs qui avaient le plus profité de la planche à billets ont piqué du nez. Le Nasdaq a perdu plus de 25% depuis ses sommets. Les SPACs. Superstar de l'année 2021 affiche des performances déplorables. Les crypto-monnaies, que l'on nous avait présentées comme des actifs refuges, n'ont pas été épargnées par cette débâcle. Le bitcoin a reculé de plus de 55% depuis ses sommets, alors que le Terra USD, une crypto-monnaie censée être arrimée au dollar, a dégringolé de plus de 90% en l'espace de quelques jours. Si ces politiques accommodantes des banques centrales ont été à l'origine de la formation des bulles sur ces actifs, l'enthousiasme exacerbé de monsieur le marché a largement amplifié le phénomène psychologie des marchés haussiers. Dans son dernier mémo, Bull Market Dreams, Howard euh, Marks, dirigeant du fonds euh, Altree Capital, nous rappelle que la psychologie des investisseurs est en grande partie responsable des principaux mouvements de marché. Dans un marché fortement haussier, comme celui que nous avons connu après le point bas de euh, mars 2020, les investisseurs ont tendance à croire que la hausse va durer éternellement et qu'ils trouveront toujours quelqu'un pour leur racheter leurs actions à un prix supérieur. C'est la théorie du plus grand fou, Greater Fool's Theory. Elle explique la formation de la plupart des bulles financières. L'excès d'optimisme et de pessimisme conduit à différentes phases de marché. 1. Les prix augmentent plus rapidement que les bénéfices des entreprises et bien au-delà de, de leur valeur intrinsèque. Excès aussi. 2. Finalement, l'environnement se détériore et ou l'absurdité des niveaux de valorisation devient flagrante. La tendance s'inverse et les prix retournent vers leur valeur intrinsèque. Phase de correction. 3. La baisse des prix conduit à un excès de pessimisme qui entraîne une sous-valorisation des actifs, excès baissier. 4. Des rachats à bon compte conduisent à un rebond des prix vers la valeur intrinsèque, phase de correction. Nous avons assisté à des phases d'excès haussier en 2020 et 2021 et nous assistons désormais à une phase de correction. Les excès haussiers, euh, les excès haussiers pardon, se caractérisent par une exubérance, une confiance sans limite et une certaine crédulité les investisseurs sont prêts à acquérir des actifs à des prix élevés, alors qu'ils savent, en regardant dans le rétroviseur, que leur valorisation est excessive. Pour rationaliser cet enthousiasme débordant, on invoque souvent alors l'idée d'un nouveau paradigme que l'analyse des données passées ne permettait pas de comprendre. On en vient à l'imparable argument cette fois ci c'est différent, que l'on entend aussi bien au pic d'un marché haussier qu'au creux d'un marché baissier. L'histoire a pourtant montré que les périodes de forte hausse sont généralement suivies par des phases de correction marquées. Pour Marx, ce comportement irrationnel des investisseurs lors de ces phases d'excès haussier ne s'explique pas par une anémie soudaine, une amnésie soudaine. L'investisseur est plutôt tiraillé entre, d'un côté, la connaissance des événements passés qui l'invite à la prudence et, de l'autre, le rêve de s'enrichir rapidement. Le problème est que la mémoire, la prudence, le réalisme et l'aversion au risque viennent entraver nos rêves d'enrichissement rapide. On préfère donc faire la soude d'oreille et se laisser porter par l'antisme ambiant. Un autre argument pour justifier des achats à des prix toujours plus élevés réside dans la croyance que certaines sociétés sont vouées à un futur radieux. Les nifty Fifty dans les années 60, ou les valeurs Internet à la fin des années 90 sont représentatives de cette exaltation passagère du marché pour quelques entreprises qui promettent de révolutionner nos modes de vie. On pensait à ces sociétés capables de changer le monde et elles l'ont fait. Néanmoins, quelles que soient les promesses, leur valorisation était complètement déconnectée des fondamentaux et elles n'ont pas tenu bien longtemps. Marx note que dans beaucoup de marchés en surchauffe, on retrouve un ou plusieurs groupes de sociétés qui se démarquent par l'excès d'enthousiasme qu'elles suscitent. En 2020-2021, les farms Facebook, Amazon, Apple, Microsoft et Google sont arrivés sur le podium de ces sociétés adulées par les investisseurs. En septembre 2020, le cours des Farms avait déjà quasiment doublé par rapport au point bas de mars 2020 et progressait de 61% depuis le 1er janvier. Ces mastodontes pèsent lourd dans l'indice SP 500, indice des 500 plus grosses capitalisations américaines. Et ont largement contribué à sa bonne performance globale, plus 12% entre janvier et septembre 2020. La performance des 495 autres sociétés qui composent l'indice a été beaucoup moins spectaculaire avec un gain de seulement 3%. Marx souligne que cette croissance rapide du cours des femmes a stimuler la demande pour l'ensemble du secteur technologique. Elle a également ravivé l'appétit des investisseurs pour les introductions en bourse de sociétés non rentables, phénomène qui fut également un marqueur de la bulle internet des années 2000. L'engouement pour la nouveauté est aussi révélateur d'un marché en proie à l'euphorie. Les SPACs, SPAC, en sont un bon exemple. Le nombre de SPACs mis sur le marché était de 10 en 2013. 59 en 2019, 248 en 2020, 613 en 2021. Aujourd'hui, un SPAC a finalement, qui a finalisé son opération d'acquisition en 2020 ou 2021 s'échange en moyenne à 5,25 dollars contre un prix d'introduction de 10 dollars, soit une perte de près de 50%. Les investisseurs qui ont cru aux belles paroles des marchands de rêve ont été rincés. À ce jour, plus de 600 SPACs. Cherche désespérément une cible. Et plusieurs opérations emblématiques ont été annulées. Le groupe de presse américain Forbes a récemment renoncé à son introduction en bourse via un SPAC. L'histoire avait pourtant montré qu'investir dans un SPAC était statistiquement perdant. Mais l'avidité des investisseurs a eu raison des leçons du passé. D'autres facteurs ont favorisé l'euphorie et les excès de ces deux dernières années. L'échec envoyés à des millions d'Américains qui avaient perdu leur travail, certaines plateformes communautaires comme Reddit, qui ont transformé l'investissement en activité sociale pour des personnes contraintes de rester à la maison, l'arrivée de nouveaux investisseurs complètement inexpérimentés qui pensaient que les actions ne pouvaient que monter, etc. Voilà un savant mélange pour transformer les marchés financiers en un casino géant. Les phases d'excès haussiers ont tendance à avoir un impact délétère sur la qualité des décisions des investisseurs. Lorsque l'optimisme emporte tout sur son passage, l'avidité prend le dessus sur la peur, et la peur de perdre de l'argent est remplacée par le FOMO, Fear of Missing Out, autrement dit par la peur de rater quelque chose. Ce sont pourtant l'aversion au risque et la peur de perdre de l'argent qui permettent de maintenir un certain équilibre sur les marchés. Lorsque ces garde-fous disparaissent, les marchés financiers deviennent le lieu de tous les dangers. Warren Buffett disait à ce sujet. Plus les autres manquent de prudence dans la manière de gérer leurs affaires, plus nous devons faire preuve de prudence dans la manière de gérer les nôtres. Autrement dit, et ça c'est moi qui l'ajoute, euh, il ne faut pas être FOMO, Fear, fear of Missing Out, mais JOMO, Joy of Missing Out. Personnellement, je suis un JOMO parce que quand je rate une soi-disant affaire, il y a souvent des chances que j'ai raté une mauvaise affaire. Donc il vaut mieux rater des affaires plutôt que de s'embarquer dans des galères. Je reprends la lecture. Finalement, une des particularités des marchés financiers du point de vue psychologique est que le sentiment des investisseurs peut passer d'un extrême à l'autre. La raison à cela est que le marché est incapable d'interpréter n'importe quelle nouvelle de manière est capable, pardon, d'interpréter n'importe quelle nouvelle de manière positive ou négative selon la façon dont elle est présentée et son humeur du jour. Le prix des actions dépend des fondamentaux, mais aussi et parfois surtout de la manière dont le marché les perçoit. Alors que l'analyse financière fait appel à l'intellect, leur perception par les investisseurs est de l'ordre de la psychologie et de l'émotionnel. Et le sentiment du marché peut changer de manière beaucoup plus rapide et radicale que les fondamentaux. On peut donc souvent voir une quantité de bonnes ou mauvaises nouvelles s'accumuler sans aucun impact sur le cours, jusqu'à un certain point. Et lorsque ce point est atteint, l'ensemble de ces nouvelles sont subitement intégrées par le marché, parfois de manière excessive. Là encore, je coupe la lecture. J'ai fait une vidéo sur euh, l'arbitrage entre le pétrole ou l'or où j'explique euh, dans un passage de ces vidéos euh, comment dire, je fais une référence à euh, Benoît Bonnelbrot qui est un mathématicien, un mathématicien qui a développé la branche des fractales euh, dans les mathématiques et qui euh, justement est un spécialiste de l'étude de cette non-linéarité des marchés. Les marchés euh, sont rationnels sur le long terme et irrationnels sur le court terme et c'est ce qui donne lieu à des ruptures de linéarité qui sont très importantes qu'on peut quand même analyser malgré tout parce qu'il y a certains schémas, certaines reproductions comme dans les fractales, on a des comment dire des, 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 des géométries extrêmement complexes, mais dans lesquelles on retrouve une certaine régularité. Je reprends la lecture Une décennie perdue à venir pour le marché haussier américain pour le marché américain par interrogation. historiquement. les niveaux de valorisation étaient, ont été un indicateur. Avancer des performances futures des marchés. Jamie Grantham, ex-gérant et cofondateur de GMO, un gros fonds d'investissement américain, écrivait début 2021 S'il y a bien une chose qui ne change jamais, c'est que les actifs chèrement valorisés vont générer des gains moins élevés que des actifs faiblement valorisés. La corrélation paraît assez évidente sur la période d'observation de 120 ans. Plus le marché atteint des niveaux extrêmes de valorisation, plus le retour dans la décennie qui suit est faible. L'auteur de l'article A Lost Decade Away mar for Markets a mis en avant trois points précis. Mars 2020, pic de la bulle Internet. Le niveau de valorisation du marché américain atteint des sommets. Ratio CAPE x 43. Le ratio CAPE est une sorte de variante du PER. Le retour au cours de la décennie suivante sera négatif moins 2% annualisé. Mars 2020, retour euh, au cours de la décennie suivante, négatif de moins 2% annualisé. Janvier 2009, début du, du, du dernier marché aussi. Les niveaux de valorisation sont relativement bas, un cape de x 16 et non de x 43. Le retour au cours de la décennie suivante est de 11% par an et non plus de 2% par an. Donc on est allé beaucoup moins haut et donc on a des rendements meilleurs sur la décennie qui suit. Décembre 2021 avec un niveau de valorisation CAPE x38. La performance du marché américain au cours de la prochaine décennie pourrait être nulle. Vous avez suivi, mars 2020, vous avez un CAPE de x43, avec une performance annulisée ensuite sur la décennie 2000 de moins 2%. 2009, vous avez un CAPE de x16, avec une performance annulisée sur la décennie 2010. De 11% par an. Et donc, euh, décembre 2021, vous avez un CAPE, CAPE, de x38, avec une performance annualisée, donc qui devrait être nulle. Donc, attention. Euh, donc, le ratio CAPE est une variante du PER. Hein, plutôt que de comparer le prix au résultat du dernier exercice, le ratio CAPE compare le prix à la moyenne des résultats des dix dernières années, hein, ajusté de l'inflation. Il permet ainsi de limiter le bruit lié à la volatilité des résultats et tient compte de la capacité bénéficiaire. Un ensemble de euh, sur, sur l'ensemble d'un cycle. Voilà. Je reprends la lecture aussi, d'après l'auteur, la hausse du marché américain au cours de la dernière décennie s'explique avant tout par les politiques accommodantes des banques centrales et par les rachats d'actions propres des entreprises. Alors, je coupe encore la lecture sur la politique à commandante des banques centrales. J'ai fait maintes vidéos là-dessus, euh, sur justement euh, les équations d'Irvin Fisher, MV égale PQ. Donc, je vous invite à les réécouter. Euh, quant au rachat d'actions, je vais continuer la lecture parce que c'est un sujet que j'ai peu abordé et qui là est très bien exposé, il me semble. Donc, je reprends la lecture. Depuis 2011, les rachats d'actions propres auraient contribué à 40,5% de la performance de l'indice américain SP 500. La progression des résultats expliquerait 31,4% de la performance, la revalorisation des multiples 21% et enfin les dividendes 7%. Donc, quand même, rendez-vous compte, les rachats d'actions propres ont contribué à près de 40% de la performance de l'indice SP500 depuis 2011. 40% pour des rachats d'actions. Comment les rachats d'actions propres conduisent à une hausse du cours de bourse Prenons un exemple. La société A réalise un bénéfice de 100 euros et le capital est divisé en 10 actions. Son bénéfice par action est de 100 divisé par 10, égale 10 euros par action. La société utilise maintenant sa trésorerie pour acheter 20% de ses actions, soit 2 actions sur les 10. L'année suivante, le bénéfice est stable, toujours 100 euros. Mais le bénéfice par action augmente mécaniquement à 12,50 euros. 100 euros pour 8 actions. Le cours de l'action augmente car le bénéfice par action a progressé 25% sur un, an. Sur, sur un an. Le PER reste, lui, inchangé. Hors rachat d'actions, la performance du SP 500 n'aurait ainsi été que de 3% par an entre octobre 2007 et octobre 2021. Les rachats d'actions n'ont rien de problématique en soi. Ils peuvent être créateurs de valeur lorsqu'ils sont effectués à un prix inférieur à la valeur intrinsèque. Le problème est lorsque ces rachats d'actions sont financés par de la dette. Et qu'ils ont pour principal objectif de faire progresser le cours de l'action afin que les dirigeants puissent vendre leurs stock options à bon compte. Conflit d'intérêt entre managers et actionnaires. Est-ce que la nouvelle donne économique permettra aux entreprises américaines de continuer à racheter leurs actions et à soutenir leur cours de bourse à un rythme aussi soutenu qu'au cours des dix dernières années Peu probable. Régression vers la moyenne. La régression vers la moyenne est l'une des forces les plus importantes que le dans le domaine de la finance. Jeremy Grantham, encore lui, a écrit :« La marge opérationnelle est probablement la variable qui subit le plus la régression vers la moyenne. Si la marge opérationnelle ne graisse pas vers la moyenne, c'est que quelque chose ne va plus dans le capitalisme. Si des marges élevées n'attirent pas de concurrents, le système a un problème. Il ne fonctionne pas correctement. » Fin de la citation. Ce qui est valable pour la marge l'est également pour les prix. Lorsque la valorisation du marché boursier s'éloigne de manière Excessive de la production de richesses mesurée par le PIB, il est généralement avisé de se montrer prudent. Nous vous avions déjà parlé de Buffett, du Buffett Indicator, euh, capitalisation boursière sur PIB. À l'époque, il s'élevait à 189 c'était en mars 2021. 140 en tenant compte du bilan de la Fed, un niveau proche des sommets des années 2000 avant l'explosion de la bulle Internet. La correction des derniers mois a ramené ce ratio à 168% après un pic à 202% en août 2021. En tenant compte du bilan de la Banque centrale américaine, le ratio ressort à 123% après un pic de 149% en août 2021. D'après les données historiques, avec un ratio supérieur à 144%, les marchés sont significativement surévalués. Nous sommes actuellement dans ce cas de figure. La correction en cours est donc peut-être encore loin d'être terminée. La société américaine de fonds d'investissement Vanguard publie régulièrement des prévisions de performance à 10 ans par classe d'actifs. Voici leur projection. D'après leur modèle, les actions américaines devraient afficher une performance annualisée de 2,6 à 4,6% au cours de la prochaine décennie avec une surperformance des actions value de plus plus 3,2% à 5,2% par rapport aux actions de croissance qui elles ne seraient situées qu'à moins -0,4% à 1 à plus 1,6%. Pas mal me direz-vous, sauf qu'il s'agit d'une performance nominale qui ne tient pas compte de l'inflation. Vanguard s'attend à ce que celle-ci atteigne 1,9 à 2,9% par an pour les dix prochaines années aux États-Unis. Les perspectives sont donc tout de suite, beaucoup moins réjouissante. Alors parenthèse, euh, vous pouvez être persuadé que la projection de Vanguard est extrêmement optimiste au niveau de l'inflation parce qu'on n'est pas à 2% ou à 3%, on est à 10, 15, 20%. Hein? Euh, selon qu'on compte officiellement ou pas, euh, ou les, les choses qu'on compte, mais aujourd'hui aux États-Unis, on doit être proche de 15%. Donc, si vous avez un marché américain euh, qui fait euh, 2%, euh, disons qu'il fait euh, 4% sur les valeurs value et euh, admettons euh, 1% sur les valeurs croissance, growth, euh, bah, vous êtes clairement en perte hein, sur le marché américain. Je reprends la lecture. Les marchés actions hors États-Unis et émergents devraient faire mieux avec un retour attendu entre 5,7 et 7,7%. Ces chiffres sont bien sûr complètement hypothétiques. Ils évoluent en fonction des conditions de marché ils sont à prendre avec la plus grande des réserves. Euh, il corrobore néanmoins l'idée que des actifs chèrement valorisés, actions américaines de croissance, auront une performance future inférieure à des actifs faiblement valorisés. Conclusion. Marx pense que les grands mouvements haussiers ou baissiers des marchés sont principalement alimentés par la psychologie des investisseurs. Comment sinon expliquer la chute brutale de titres comme PayPal, moins 57%, Coinbase, moins 74%, Netflix, moins 69%, Spotify, moins 74%, ou encore Zoom, moins 51% en l'espace de quelques mois Est-ce uniquement lié à la dégradation de leurs fondamentaux Difficile à croire. Le seul moment où l'on pourrait éventuellement se risquer à faire une prévision du sens du marché, et encore, serait donc lorsque les prix atteignent des niveaux absurdement bas ou absurdement élevés. Toujours facile à dire a posteriori, mais les valorisations de bon nombre d'entreprises technologiques américaines avaient atteint des niveaux complètement irrationnels avant de s'effondrer. Quand l'élastique se tend de manière extrême, écart entre le prix et la valeur intrinsèque, le retour sur Terre est souvent brutal. Finalement, une chose est sûre, c'est que tant que l'humain interférera dans les décisions des intervenants sur les marchés, on verra ces phénomènes de bulles se répéter encore et encore. L'investisseur rationnel basant ses décisions d'investissement sur un processus mécanique, par définition en dehors de tout biais psychologique, d'en profiter. Fin de la lecture. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, c'est extrêmement riche. Euh, vous avez la distinction prix-valeur, vous avez euh, différents biais psychologiques, vous avez euh, la notion d'écart-type dont j'ai déjà parlé. C'est quand même extrêmement important, c'est extrêmement simple à faire au niveau de l'analyse technique. Euh, la, comment dire, la, la visibilité de, de, des écarts-types. Euh, la tendance long terme, les écarts-types, etc. Je pourrais faire une vidéo, si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire, je ferai une vidéo là-dessus. C'est extrêmement simple à faire et ça vous évite bien des déconvenues, ça vous permet de bien timer votre achat. Euh, voilà, vous avez énormément de choses dans, cette, dans cet article euh, qui me semblait très intéressant. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Likez si vous avez aimé. Et puis, euh, et puis voilà, euh, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt